Donc c'est parti sur Smagile à notre grande surprise. Le Didi de MXM, le Pikachu de FRNK contre Griffith et sa Bayonetta et le petit Mario de Grey. Bon alors petite ouverture, ça se sac un petit peu, ça se sépare. Bah trop que j'ai vu pour l'instant on voit des 1v1 qui se font de chaque côté. Bon voilà, hop là, MXM qui tente un petit peu de s'approcher pour l'équipe pour prendre sa propre banane. Bleu, l'équipe verte qui a un bon avantage de puissance. Mais là, c'est du double, hein. Peut arriver sur tout le Bayonetta. Voilà un petit update pour envoyer tout le monde du accès. Voilà, MXM qui arrive à pas trop de puissance jusqu'à ce qu'il se fasse toucher par Bayonetta. Le combo qui est pas avec les drops, c'est dommage, pas de stock là-dessus. Il rouge avec tout le stage control. Dash grab de Bayonetta qui rate sur un PK qui était baissé. Tout à fait. Vraiment beaucoup d'occasions, hein. C'est juste que ces combos ne convertissent pas entièrement. Et pendant qu'on regardait Bayonetta faire ses chorégraphies, MXM a terminé le stock de Trace. Donc premier sang pour l'équipe verte. Voilà, hop là, ça fait jouer stage control pour l'équipe verte pour l'instant. Hein. Oh là là, le smash nature sur Pikachu, ça c'est pas très halal hein, franchement. Voilà. Ici nous sommes Charlie. Donc là, évitons. Qui va mettre Griffith off stage, stage garde là-bas, ouais, bien vu à la côte à le foudre. L'égalité au niveau des stocks, au niveau des personnes, des mouvements aussi. Le backflow de Didi. Tu. Le backflow de Mario, pardon. Le stab de Griffith, c'est complètement raté. Ça permet à FRNK de casser le stab, donc là, vraiment. Égalité parfaite. Là, FRNK qui vient pour jongler son pote, c'est très très sympa. L'esprit d'équipe. Atterrissage au backer, c'est pas fini par Mario. Les rouges qui concentrent davantage des pourcents sur le Mario. Alors je sais pas si c'est par choix ou si c'est juste les salles d'ouverture qui se trouvent. Ils n'arrivent pas à toucher Griffith. En attendant, petit avantage, rien de sensible pour l'équipe rouge. On va trouver un dive kick, mais bonne DI de la part de Frank qui va sortir de ce combo. Pendant ce temps, MXM qui fait vraiment du bon taf en termes de stage control avec ses bananes. Hein. Il s'est vraiment pas overwhelmed par le Mario de Grey. Voilà le fer qui vient manger Mario dans les airs. Tout a pris du monde sur ce coup. Joli, oh mais malheureusement la mésentente, ça ouais. C'est triste. C'était risqué hein, de la part de Griffith de partir sur un F-smash parce que à cette distance c'était à peu près sûr que ça touche Grey. Il aurait fallu compter sur l'invincibilité de l'Astro, c'était vraiment un choix dangereux et du coup ça s'est carrément retourné contre eux. Du coup, avec ceci, c'est quand même malgré cette erreur, une simple égalité pour l'équipe rouge, faire un fer 2 et le combo, oh là là, Franck qui a perdu ce stock à 27% avec des mauvaises DI sur l'ensemble du combo de Bayonetta. Le match qui passe pour Grey, FRNK qui se retrouve tout seul contre 3 stocks de l'équipe. Le Neta, boum, hop là, Griffith qui rate ses combos encore, hein, c'est pas propre. Pas facile, hein, c'est caché, il est trop petit, subtil, voilà, hop là. FRNK qui se laisse pas faire, hein, qui vient vers le bas avec le Gear Dodge. So close, voilà, un petit peu de Wish Time, ils ont rien à faire. Il a reculé en faisant son backer, ce qui fait qu'il s'est décalé par rapport à Bayonetta. Ça se trouve que c'est droit du backer et ça tombera à droite. Oh joli ça, le follow-up reprise de volée au B-up. Ça tue pas, je ne sais pas pourquoi. Bah, le R n'a pas connect. Ah voilà, life throw qui est DI vers la gauche, parfait, très fort. Bon, je répète hein, pour les viewers and for all the people watching the stream right now. Afterwards, this will be we will stream singles top 8, top 12 actually. So check out the brackets and tell us what you would like to see on stream. Dites-nous sur le chat ce que vous souhaiteriez le plus voir en stream. On va prendre ça en compte au moment de déterminer exactement ce qu'on va vous montrer sur l'ensemble de tout ce qu'on a à faire jouer. Normalement, on va en faire passer autant que possible. Tout à fait. Là, voilà, le temps n'est pas en notre faveur. Qu'est-ce qui vous fait baver? Du coup, il y a eu un sur ce milieu de match, le momentum a complètement revers, changé. Ouais, un revers complet. On aurait pu s'attendre à ce que soit l'équipe rouge qui tilt avec ce F-smash de Griffith qui était vraiment ultra risqué. Ils ont l'esprit, c'est bon. Il n'y a pas de souci. Et le truc, c'est vraiment, ils ont réussi à trouver des kills vachement tôt à 100-110% à chaque fois. Et c'est ça qui leur a permis de reprendre l'avantage. Ah. Changement de couleur très important. Discussion tactique, on part sur Lylat
Ah, ok, typiquement un stage pas parisien. Alors là, voilà. Vraiment, les Parisiens évitent ce stage comme la peste, détestent. Il n'y a pas de plateforme de Smashville, il n'y a pas la forme du stage de Smashville. En fait, c'est pas Smashville, c'est ça. C'est très différent de Smashville. Forcément, ils sont perdus, les malheureux. Mais du coup, on entre en direct avec un B-side de Biosol, petite ouverture. Fait par l'aérien Pikachu. Il reste vraiment à l'aise. Pas trop à se faire mettre la pression. On voit une dynamique au niveau du stage control complètement différent de certains des autres matchs qu'on a vu. T'avais vraiment un contre un à gauche du stage et un contre un à droite du stage. On profitait pas du fait qu'il y avait un des joueurs qui est coincé entre deux gars de la même équipe. MXM, FRK qui sort MXM de Combo Bayonetta. C'est vraiment ce qu'il faut faire. Il faut profiter avant que ça soit plus tard, avant que l'autre joueur soit trop haut. Donner, c'est live. Knockback de ce Donner, ça va envoyer à l'autre bout du monde. C'est bien marché. Oh, le Witch Time, joli le détil pour venir scoop. Mais Franck qui était là, qui a vu le danger, qui s'est jeté dedans pour protéger son partenaire avec un fer mythique qui est venu complètement gêner Dany pendant le chargement de son smash. Le fils qui apprend là à ses dépens qu'il ne peut pas vraiment charger de smash en 12. Hein. Mais c'était bien vu, hein, le détil pour venir gratter, soulever du sol sous la plateforme, il y avait moyen que le smash ne connecte pas. Malheureusement, il n'avait pas été assez rapide sur un coup. Dash smash de Mario, classique, bon sens, hein. Ça. Hein. La bonne Zidane. Des vieux stage, qui va pouvoir remonter. Mix-up, parfait. Franck est vraiment là pour protéger son pote. Hein. Et Grail qui a voulu follow-up alors que Griffith était là pour cueillir le mixer. Erreur de communication entre les deux membres de l'équipe rouge. On reste à une égalité assez flagrante. Witch Time, ça n'a rien donné. Je crois que les deux joueurs se sont respectés l'un l'autre. Enfin, Griffith et Grail. Grail était en mode c'est pour Witch Time, c'est à toi de faire quelque chose. Dany était en mode c'est toi qui es à côté de lui, c'est à toi de le lancer. Il se fait Lilat, qui la face roule après son deuxième saut, il a voulu remonter. Et là, le terrain s'est penché et l'a empêché d'attraper la vie. Là, c'est pour un stop qui a une baisse pour l'équipe. C'est encore largement jouable sur la vie pour les Clippers, même s'ils sont pas mal grattés sur ce stop sans trouver les ouvertures de champion. Joli la back throw. La back throw tue Mario, excellent. La Bayonetta qui est maintenant à 96%, qui peut être tuée. Ah, si jamais elle. Oh là là, le update est dans tous les sens. Si elle fait des doutes pour mettre le upstage, ça ne fait pas parce que ça se fait un tel recours. Le Bayonet de Bayo qui a failli terminer Pika offstage. Hop là, voilà. Oh là là, FRK. Il a dit oui. Il voulait vraiment pas de retomber sur Bayonetta, ça peut se comprendre avec les smash que balançait Dany à tout bas. Ça aurait été ultra risqué. Il y a un gros avantage de l'équipe de tout à coup. Hein. Le stock pris facilement. Mario qui est toujours à 20. Rien du tout. Voilà, Banane qui lâche attaque, qui ferme. Belle qui sonne fire, ça connecte pas, mais c'est magnifique. Voilà, Bayonetta qui tire à tout bas. C'est le. Le cloud. Voilà, là. Et le, ah bien vu ça, le D-Smash qui va. Je me demande si ça contre entièrement le Witch Time. En mode vu que c'est un multi, même si elle passe le Witch Time, si elle va pas quand même se faire avoir. Double back air, double side, pas de follow-up avec le buff quand même, mais quand même des gros dégâts. Les rouges qui s'imposent complètement sur la fin de ce match. Hein. Les verts qui sont tous les deux à kill range. Il suffit d'un Witch Time, d'un smash de Mario, d'un spike bon, comme ça par exemple. Le dunk de Grey, très très bien passé. Voilà, FRK qui va devoir donner tout ce qu'il a pour récupérer 3 stocks. Contre 1 pour lancer le Gaïtel. Petite pièce, le pouvoir. Franck dans le malaise, il va se retrouver off stage. Et ça revient. Et Griffith qui se fait Lilat, mais Franck lui non plus ne pouvait pas remonter. Et du coup, la team. DLC Pay to Win, pardon. Excusez-moi, ce qui est presque synonyme. Avec quand même un Mario, ce qui est pour ainsi dire le perso le moins pay to win possible. Le mec est là de base, il est là depuis le Smash 1. Donc il vient sauver un peu l'honneur. C'est donc Dany seulement qui est dénué d'âme. Mais être privé d'âme ne les prive pas de victoire et ils vont continuer d'avancer dans cette loser bracket.